Et bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle session de Zelda Breath of the Wild. Alors j'ai pas mal joué entre temps, regardez la carte. Voilà, donc j'ai actualisé toutes les cartes. Je suis même allé là dans les. Je crois que c'était Marais de l'Anel. J'ai fait quelques temples, enfin quelques sanctuaires. Enfin j'ai essayé parce qu'il y en a qui sont vraiment balèzes, du coup j'ai pas pu les finir. J'ai de nouvelles armes, voilà. Donc globalement c'est ça. J'ai aussi eu, pardon, des noix de Korogu. Pour augmenter, donc j'ai augmenté encore mes armes. J'ai augmenté mon endurance aussi, vous voyez ça. Donc on s'est arrêté en haut là, on devait aller allumer la flamme bleue pour le laboratoire. Donc c'est ce qu'on va faire. Oula, les petits clippings là, les boutons qui apparaissent. Ok, donc c'est parti, donc c'est là-bas. Alors j'ai essayé d'aller sauver les moutons de la fille là-bas là. Sauf que les mecs étaient beaucoup trop forts pour moi, du coup j'ai renoncé. Mais quand je suis arrivé là-bas, j'ai vu une lune de sang. Donc ça respawn tous les ennemis normalement. Donc ça va être la merde. Alors qu'est-ce qu'on va pouvoir... Comment on va pouvoir transférer ça? Je pense qu'il faut passer la flamme de chaque lanterne en chaque lanterne. Donc qu'est-ce qu'on a pour ça? Ouais. Est-ce que... On pourrait pas, par exemple, avec ça... Voilà, par exemple. Nickel, suivant. Le problème c'est que là on va pas pouvoir escalader. On va suivre toutes les lanternes comme ça. Allez. Il est vraiment sympa ce petit village des limites quand même. Ah oui, j'ai rencontré aussi des auras quand j'étais au niveau des marais. Ah, par contre, le nombre de monstres qu'il y avait là-bas, c'était incroyable. Donc, j'ai rencontré des auras qui m'ont dit d'aller voir leur prince. On ira après, ça va. De toute façon, ok, donc la base va être brisée, ça fait carrément chier. On doit de toute façon voir les 4 tribus, et ça en fait partie. C'est joli. Donc, voilà. Ouais, donc beaucoup de monstres. Ce Zelda, je trouve franchement difficile comparé aux autres. C'est un des jeux bio que j'ai joué. Ah bah merde. Ok, elle a cramé. Ce qu'il me faudrait le top, ce serait une torche. Avec une torche, je peux faire tellement de trucs. Oh, mais je l'ai pas vu, tu vois. Avec une torche, je peux faire tellement de choses que. On va partir à la recherche. Oh merde, j'ai foutu le feu. Quel couillon. Alors, ici, on allume celle-là. Bon, j'espère qu'elle va pas se casser celle-ci. Normalement ça devrait être bon. Hein. C'est censé être fait pour. Ah par contre, vous voyez, j'ai l'impression qu'elle risque de s'éteindre avec le vent. C'est pour ça qu'on peut peut-être pas le faire d'un coup. Allez, toi on t'allume. Toi là-bas on va t'allumer. Vous voyez les cèdres là-haut. Normalement il y en a 3, on va peut-être voir un peu mieux après. Apparemment il y a une mission, voilà, un temple, enfin un sanctuaire pardon. J'ai toujours envie de dire temple, mais c'est sanctuaire. C'était une mission donnée par une PNJ dans le coin là. Oh elles sont sympas, c'est vrai, j'avais jamais vu. Ouais, donc on aurait pu passer par là-bas sinon, ok. Bon, on va continuer. On va continuer par là. Donc c'est elle hein, qui voulait que j'aille récupérer ses moutons. C'était beaucoup trop dur. Beaucoup trop dur. Alors j'ai fait pas mal de morts pendant que... pendant que je tournais pas, donc le Death Counter ça va concerner que le... Que le in-game avec vous. Donc voilà, c'est là pour aller à la plage, on descend par là. Et là c'était plutôt balèze, les mecs qui me one-shotaient direct. Surtout que j'avais peu d'armes à l'époque, donc là ça devrait peut-être pouvoir être mieux, mais bon. C'est ça aussi la difficulté de ce Zelda, c'est que d'un, les ennemis sont super durs, sont super violents. Mais nos armes, elles se cassent, donc c'est pas évident quoi. Tu peux te retrouver d'une arme qui fait 25 de dégâts à une autre arme qui fait 12 de dégâts en 2 secondes quoi. Donc on se rapproche, donc on doit allumer le fourneau. Alors où est le fourneau? C'est la question. Ah, ça m'a l'air d'être ça non?
ça m'a l'air d'être ça, je pense, non? Voilà. Nickel. On a le point de téléportation. Ça, c'est parfait, parce que c'est chiant de monter, là. Ouais. C'est bon. On va revoir notre pote. Prouga. Coucou, toi. Link, t'es trop fort. Regarde par là. Regarde, la pierre guide s'est mise en marche. Enfin, tout a l'air de parfaitement fonctionner. Hihihi, ma petite pierre guide chérie, mon adorable pierre guide Elvie. Le moment tant attendu est enfin arrivé. Réactivons les modules de base qui manquent à la table de Cheka. Parfait. Mais il va me falloir me faire un magnifique Wii City, je t'écoute. Wii City. Ouah, super méga trop bien. C'est parti mon kiki, restaurant à la table de Cheka. Ok. Déverrouillage de la pierre guide, allez elle t'attend. Parfait. Tablette Cheka reconnue. Confirmation des modules manquants, appareil photo, encyclopédie d'Hyrule, album. Oh parfait ça. Initialisation de la phase de restauration. Appareil photo. Les photographies prises sont rangées dans l'album. Chaque fois qu'un nouvel élément est photographié, l'entrée correspondante est ajoutée à l'encyclopédie d'Hyrule. Ok, pas mal. Ça c'est une quête à la... comment ça s'appelle, à la... Wind Waker. Les figurines Nintendo, j'ai l'impression. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. Ok, bah je ferai ça en solo. Je vous montrerai un peu les résultats au fur et à mesure. Alors, j'imagine qu'on va devoir la prendre en photo pour s'entraîner. Alors, yeah, c'était ultra génial alors. Tout s'est bien réactivé. Ouais, madame. Bon, alors, voyons voir. Appareil photo, ok. Encyclopédie d'Hyrule, ok. Album, ok. Super, c'est tout bon. Bon, et si on passait aux choses sérieuses? Tu veux pas essayer de me prendre en photo avec ton appareil? Voilà, c'est ce que je disais. Et surtout, montre-moi la photo après, ça sera drôle. Ok. J'imagine que c'est comme ça. Non, c'est pas ça. Ah oui, je suis con. Donc c'est ça. Voilà. Sauvegarder. Ok, bah tiens. Oui, c'est dit. Aïe, t'as pris une photo de moi avec l'appareil photo? J'espère pour toi que je suis joli dessus. Oui, j'en ai pris une. Ah, super. Allez, montre. Bon, alors, oui, on voit. Hey, tu te fiches de moi ou quoi? Pour prendre une jolie photo, c'est pas compliqué. Il faut que le sujet soit centré, tu comprends? Allez, refais-moi ça. Hein? Oh, t'étais plus que centré, là. Attendez, je vais... Voilà, avec la manette. Eh, hey, allez. Oh. Alors... Oui, on voit... Alors quoi? Encore raté? Centré, mais c'est ce que je fais, l'abruti. Oh, elle me saoule celle-là, là. Bah là, ça m'a l'air bien, là, non? Alors, c'est mieux. Hein, c'est qui ce canon? Pourquoi? C'est moi? Désolé, ça m'a un peu surprise. Il y a d'autres photos dans ton album, t'as vu? C'est des photos de paysages. Je sais que la princesse Zelda avait l'habitude de se servir de l'appareil photo. Dis, t'étais bien son chevalier servant, non? Alors tu devrais sûrement être avec elle quand elle a pris ses photos, hein. Ah, j'ai oublié un tout petit détail un poil important, tu as perdu la mémoire. Eh mais, si ça se trouve, ces photos pourraient justement t'aider à retrouver ta mémoire. Donc tu sais quoi, tu ferais mieux d'aller en parler à Impa.
Elle est bien mieux renseignée que moi sur la princesse. D'accord. Ah, j'ai encore un service à te demander. Une fois que tu auras rendu visite à Impa, ce serait trop super si tu pouvais chercher des matériaux antiques. Ah, d'accord. Tu pourrais me les apporter à moi ou à Pharas, au laboratoire antique d'Akala. Oh. Ok, bah nickel. Nickel, nickel. Des trucs sympas. En vrai, une bonne question. J'ai amélioré les modules des tablettes. Ouh. 3 vis antiques. 3 arbres antiques. 3 cœurs antiques. Ok, donc là on a les vis, mais on n'a pas les cœurs et tout. Et je voulais savoir. Voilà des matériaux. Je sais pas si je les ai toutes, hein. Oh, je sais pas, ok. C'est qui Pharas alors? C'est toi Pharas? Non, c'est pas Pharas, c'est Canel. C'est qui Pharas? Oui, oui, oui. C'est qui Pharas? Pharas, c'est un mon sous-fifre. Enfin, pour utiliser le temple officiel, c'est mon subordonné. Il étudie les gardiens au nord d'Akala. Ok, enfin, je pense. Ça fait 100 ans que je l'ai pas vu. Ok, donc on va aller, on va foncer voir Impa. Alors, Impa, où es-tu? Non, c'est pas ça que je veux. Alors, faites voir l'encyclopédie du coup. Monstres, matériaux, armes. Trésor, ok. C'est quoi, il faut les prendre en photo du coup? Je comprends pas. Par exemple, si ça. Attendez, comment ça peut marcher? Album. Oh, génial. Oh, c'est cool ici. Ok, est-ce qu'il y a un truc qu'on connaît? Je ne pense pas. Alors, on va vite aller voir Dame Impa. Parti, téléportation. Allez, c'est bon, on y est. Sanctuaire de Taroni. Alors, il passe où? C'est là déjà. Voilà, c'est parti, paravoile. Nickel. Bonjour Impa. Oh. J'avais entendu dire que Prua t'avait mené la Vélure. Tu n'as pas l'air si mal en point. Oh, très gentil Prua. Voyons voir, montre-moi ça. Oh, mais ce sont les photos de la princesse Zelda prises il y a 100 ans. Oui, madame. Si les lieux qui apparaissent sur ces photos sont des souvenirs de la princesse Zelda, alors il pourrait bien être la clé qui te rendra tes souvenirs. Il faut que tu les trouves. Reviens me voir quand tu auras visité l'un des lieux représentés sur les photos. J'ai quelque chose pour toi. D'accord. Oh, c'est marrant, c'est quoi ça? J'ai jamais remarqué. Cette orbe est sous la protection de notre peuple depuis des générations. Je suis désolé, mais tu ne peux pas le toucher. Ok, j'ai compris. Mais il y a quoi là-haut? Du coup, je suis jamais allé. Ok, il n'y a rien, c'est une petite chambre. Ah si, examiné. C'est le journal de Paya. Alors, oh, regarde, regarde pas. Première page. Grand-mère l'attend depuis 100 ans déjà. Avec son Altesse Zelda et grande tantine, elle aurait plongé un chevalier dans un profond sommeil. Aujourd'hui encore, grand-mère l'attend sans jamais se décourager. Je prierai pour le destin d'Hyrule, mais aussi pour grand-mère. Mais Serling s'est éveillé de son long sommeil, privé de sa mémoire. Malgré cela, le revoir fait tant plaisir à grand-mère. Je ne crois l'avoir jamais vu aussi heureuse. Il a l'air si courageux. Il correspond exactement à l'image que je me faisais du héros.
Ses fières oreilles pointues, ses rouflaquettes dorées qui ondulent sous le vent. Ah, j'ai des rouflaquettes. Et ses traits de côté parfaitement droite. J'ignore pourquoi, mais le voir ainsi fait battre mon corps plus fort. Mon cœur plus fort. Ok. Kling fait des ravages auprès de la gente féminine. Ça, c'est indéniable. Ok, bah allons-y, hein. Il faut qu'on aille maintenant où ça. C'est quoi la mission là? Regardez un peu l'album, qu'est-ce qu'on pourrait reconnaître? Non, ça me dit vraiment rien. Hein. Tout ça ne me dit rien du tout. Ah, ça me fait penser au pont sur Twilight Princess. Ouais. Ça, on va effacer ça. Effacer, voilà. Alors, le problème, il est que peut-être ça, on peut le reconnaître, ça. Bon, bref. Non, c'est où le journal? C'est là, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On peut voir les créatures, sinon, ouais. Enfin, les. Ouais, ça, les créatures divines, c'est exactement ça. Et si je vais là, par exemple. Ok, donc si je mets la carte maintenant. Un là. Ok, bah, moi, ce que je propose, c'est qu'on aille voir les auras, moi. On va genre voir les auras. Et ouais, ça me paraît bien. Ça me paraît plutôt pas mal. Allez, on va se téléporter. Voilà, je sais pas du tout si j'aurai le niveau. Parce que ça m'a l'air un peu compliqué là-bas. Allez, c'est parti. Sanctuaire à proximité. Ouais, voilà. Alors, je vous montre un Zora. Il y en a ici même. Ils sont plutôt classe, hein. Ils sont vraiment beaux, je trouve. Le prince, où es-tu? On va mettre un marqueur. C'est celui-là, logiquement. Non. Donc, c'est celui-ci, là. Ouais, c'est ce point là-bas. Ok, bah écoutez, let's go, hein. Comme on dit, let's go. Ah, il y a un temple là. Ouais, on va y aller déjà. On va y aller comme ça. On aura un nouveau point de téléportation. Ah, il y a un autre Zora. Un Nidien. Formidable, vous êtes un Nidien, n'est-ce pas? Tout à fait. Parfait, c'est mon jour de chance. Oh, pardonnez-moi l'enthousiasme. Je suis Porea du peuple Zora. Je suis justement à la recherche d'un Nidien tel que vous. Depuis quelque temps, il se passe des choses étranges dans notre village, le domaine Zora. C'est pour ça qu'avec le prince Sidon, nous recherchons un Nidien assez fort pour nous aider. Voilà, attendez sur le bon là. Le prince Sidon est au pont d'Ingogo. Ok, on va y aller. Vous voulez bien lui parler, qui sait? Vous êtes peut-être celui qui nous sauvera tous. Ouais, il y a moyen. Ouais. Link l'arrogant. On va voir, hein, si c'est dur celui-là, on le fera pas. Allez, allons-y. Qu'est-ce qu'on trouvait là-dessous?
Donc les autres c'était des combats contre des machines et c'était vraiment trop dur, pardon. Donc on verra bien si là on arrive mieux. Alors de quoi s'agit-il? Ok, donc c'est le même système, c'était exactement pareil. Toi qui as pénétré ce sanctuaire, Saoko, il te met à l'épreuve au nom de la déesse Ilia. D'accord. Épreuve basique de force. Alors basique, en fait j'y arrivais, parce que moi c'était moyen et extrême. Donc extrême, autant vous dire que j'ai même pas essayé. Je tombe sur le moyen et j'en ai vraiment trop chié. Allez, on va y aller comme ça, avec le bouclier c'est important. Et on va aussi y aller avec les bombes. Go, let's do this. Voilà, c'est exactement le même. Ce qui doit être un peu moins fort. Alors comment tu réagis toi? Ah oui, je lui donne pas mal de dégâts. Oh! Ouais, donc des fois il fonce comme ça, il charge. Ok, donc mon bang va bientôt se casser. Bang, c'est cassé. Bah, je propose de passer sur la longue épée Zora. Alors vas-y. Ah oui, ok, donc maintenant il fait ça. Ah, il y réagit. Waouh. Exactement pareil que l'autre. Ça c'est pas forcément une bonne nouvelle parce qu'à la fin c'était vraiment trop dur, il avait son laser là. Pour ça on va garder les poteaux là, c'est trop dur. Oh merde. C'est vrai, j'ai oublié ça. Putain, j'ai mal lui. Juste manger un truc, je pense. Petit plat, genre ça, plus 2, ça peut être pas mal ça. Et après, une potion de vitesse aussi. Voilà, comme ça, on pourrait esquiver à mort. Mais non, mais quel poulet, putain. Et voilà, j'ai pété un poteau, putain, quel con. Ok, ça fait mal ça. Quand je fais ça, il soulève le truc, je sais pas ce qu'il fait là. Pour l'instant, je me débrouille un peu mieux que l'autre jour. Non mais tout. Ok, je vais violer. Et voilà, ça c'est fait. Clé de gardien, donc c'est nickel. Ok, par contre j'ai pas assez de... J'ai clairement pas assez de place au niveau des boucliers. Donc il y en a un qui va gérer T, donc toi par exemple, tu t'es. Et j'ai pris normalement l'épée, ouais nickel. L'épée de gardien, c'est parfait ça. Ok, bon continuons les amis. Continuons, c'était du gâteau. Qu'est-ce qu'on peut retrouver? Arc de chevalier. Ouh, alors ça c'est bon ça. Ça c'est ultra bon. Ça c'est génial. Alors, on va récupérer notre emblème de héros. Titre de héros, voilà. Cécilia reçoit l'emblème du triomphe, très bien. Bon, on va passer, hein. Vous la connaissez celle-là.
J'en ai 3. Donc c'est à 4 qu'on peut augmenter son endurance ou sa vie. Donc j'ai augmenté ma vie, j'ai augmenté mon endurance. Donc maintenant je pense que je vais re-augmenter ma vie. Parce que je prends quand même assez cher dans les combats souvent. Quoique l'endurance c'est quand même pas mal non plus. Hein. Ouais, je sais pas, on verra. On n'y est pas encore.